là je pensais que le truc le plus difficile de la journée c'était de passer radiant en... sur mon live mais non le plus difficile on va le faire maintenant on va tenter de pronostiquer ensemble les Valorant Champions 2023. Mais en gros, je crée un groupe de Pixem. Si vous êtes sur vlr.gg, vous vous inscrivez sur le site. Et bien, dans les Pixem sur le Valorant Champions, vous allez pouvoir du coup rejoindre un groupe. Et dans ce groupe, euh, et bien, je ferai gagner au premier, au numéro 1, je lui fais gagner en gros euh, l'équivalent PayPal euh, du euh, comment dire du pack Champions. Ok. Mais venez dans le groupe où il y a déjà 130 euh, utilisateurs. Vu comme c'est difficile de prédire sur vlr.gg, il n'en restera qu'un. Il y a une poule qui est assez difficile, on la garde pour la fin, c'est la poule D, c'est juste, c'est un job, ok, c'est un job, c'est imprognosticable. Le groupe A par contre... On est peut-être sur quelque chose d'un peu plus faisable. On a PaperX, donc les numéros 1 euh, Asie maintenant. On a Crew qui ont passé le Last Chance Qualifier Americas et qui ont fait un parcours incroyable. Donc ils se sont vraiment renforcés. Ils étaient en 0-10, 0, 0 victoires, 10 défaites dans leur ligue. Et ils ont complètement euh, remonté du coup euh, leur Last Chance Qualifier pour être aux Champions. C'est un énorme braquage alors qu'on ne les a pas vus de l'année. Franchement, c'est magnifique. On a Edward Gaming qui sont les numéros 1 du Qualifier chinois. Et Giants qui sont les gagnants du Last Chance. Euh du Latience EMEA en sachant qu'on avait deux places en EMEA pour envoyer des last Chance. pour moi PaperX est donc la meilleure équipe un peu logique de ce dire, de cette poule Surtout que PaperX a fait top 3 au Masters en jouant avec un last. Ils ont joué avec un remplaçant. Là, ils vont être directement avec Something, leur joueur russe, qui est une fusée. Et je pense que Paper x va pouvoir sortir de ce groupe-A assez aisément. Pour le top 2, par contre, c'est vraiment difficile à pronostiquer. Pourquoi Parce que Crew du coup ont fait un, un parcours parfait. Ils ont fait un parcours parfait très récemment. C'est-à-dire que leur forme récente est très bonne. Et en plus, ils ont à peine été inquiétés par leurs adversaires. À part peut-être un peu Cloud9. Euh, je pense que c'est ça. Il n'y a que Cloud9 qui a été un peu dangereux pour eux en. NA, sinon même les c'était quand même assez facile. Donc Roux très dangereux récemment. Giants a fait un excellent parcours aussi euh, en EMEA. Oui, ils arrivent à battre absolument tout le monde. Ils ont été légèrement inquiétés par Carmine, légèrement inquiétés par euh, eh bien par Heretics euh, aussi. Et donc c'est ce qui fait que de base, même s'ils ont une bonne forme récente, le fait d'avoir perdu comme ça des maps et de ne pas avoir été impeccable dans, dans leur calife, c'est ce qui fait que de base, je les vois peut-être un peu damnés de la poule. Edward Gaming, c'est euh, donc l'équipe chinoise. Tout le monde les a vraiment redécouverts avec les Masters Tokyo. Tout le monde attend KenKeng, leur sniper, euh, vraiment avec beaucoup d'impatience. Moi aussi. Mais ils ont un sniper très intéressant. C'est la meilleure équipe chinoise, ça, ça ne fait aucun doute. Mais à quel point vont-ils être euh, impactants et forts dans cette poule euh, en comparaison avec les autres régions, c'est difficile à dire. Donc de base, je vais quand même mettre Edward Gaming devant je vais quand même du coup mettre Crew devant Giants parce que Giants pour moi leur victoire ne tient à pas grand chose même si Giants c'est une, une bonne équipe il y a des joueurs qui je pense qu'ils peuvent vraiment enfin Crew, Giants je pense que c'est vraiment impronosticable euh, là tout de suite euh, donc euh, il faut faire un choix et on va dire que je trouve que le parcours de Crew a été plus difficile et, et plus flamboyant que Giants qui ont été assez tranquilles même si c'est vraiment une bonne team Giants il faut le comprendre et après on a euh, Edward Gaming contre Crew je sais pas comment pronostiquer cette merde hein. je sais pas comment pronostiquer cette merde je vois pas Edward Gaming refaire un bracket comme au Masters. Je pense qu'au Masters, ils ont fait leur, leur pic, un peu comme Zeta Division à l'époque, et je pense qu'ils feront jamais aussi bien. Donc je vois bien Crew, mais en vrai, je, je, ça pourrait être Giants, hein. ça pourrait être Giants qui passe. Paper S, pour moi, c'est aucun doute, et les trois autres, c'est vraiment la guerre. Le groupe B, du coup, EG. FPX, Foot et T1. L'équipe que je vois dernière de ce groupe, c'est FPX. FPX, donc, c'est le site numéro 3 chinois. Euh, c'est une équipe qui est marrante parce qu'elle joue, euh, joue des compos de merde. Voilà, elle joue des compos de merde, des compos très exotiques. Donc, c'est marrant de les regarder jouer parce qu'ils ont des compos euh, qu'on euh, qu n'a jamais vu ailleurs. Il y a que eux qui font ça. Mais sinon, en vrai, ils ne jouent pas très bien. Ils sont un gros cran en dessous des Dord Gaming. Ils sont un petit cran en dessous de Billy qu'on va voir juste après. Donc, je les vois bien derniers de leur pool. Et donc, euh, EG qui passe au premier tour. Ça me choque pas. Foot contre T1, on arrive sur les matchs impronosticables. Honnêtement, moi T1, c'est une équipe que j'aime pas. J'aime pas comme ils jouent. J'ai du mal à m'attacher aux joueurs. J'ai du mal à m'attacher à, euh, à l'équipe. Je trouve qu'ils ont pas de patte particulière. Je trouve qu'ils jouent pas super bien ensemble. C'est des mecs euh, qui sont tous assez forts individuellement. Il se passe des dingueries sans arrêt, mais je préfère y voir foot. Foot pour moi, c'est une vraie équipe. Pas euh, imbattable, très loin de là. Mais ils jouent vraiment bien ensemble. Ils ont vraiment bien réfléchi leur phase. Ils ont fait de, une des plus belles progressions en un an en tant qu'équipe. Je vois bien foot passé pour la suite. EG, j'imagine que c'est meilleur. S'il reste sur la même lancée que les Masters, ça va être meilleur. Mais attention, parce que EG, ils vont être beaucoup plus respectés et attendus, je pense, que par rapport aux Masters Tokyo, ça peut changer pas mal la donne. Tout comme Edward Gaming. Hein. Edward Gaming, à mon avis, ils vont être beaucoup plus attendus. Ils risquent d'avoir des matchs un peu plus difficiles, à mon avis. Ils vont moins surprendre. Dans le lower bracket, FPX et des noobs, on voit T1. Foot T1, le rematch, foot qui passe. Et la poule B, c'est réglé. On passe à la poule C. Bon, là, difficile de ne pas mettre Fnatic gagnant dans le premier tour. Zeta Division ont gagné le Last Chance Qualifier, du coup. Asiatiques. NRG sont euh, qualifiés, c'est les top 2 du coup, top 2 NA. Bilibili sont les top 2 euh, Chine, qui est Fnatic évidemment les numéros 1 EU et les numéros 1 World, donc moi je vois bien Fnatic faire un tout droit euh, NRG, je les vois bien battre Bilibili qui n'est pas une grande équipe, Fnatic qui les bat ici, match très tendu quand même hein. Fnatic-NRG, attention, même si Fnatic est favori c'est vraiment dangereux pour eux les états contre Bilibili, je ne, je ne sais pas comment comparer ces deux équipes, Bilibili donc numéro 2 chinois, eux ils n'ont pas des, des compos de dingue euh, comme, euh, comme les FPX, ils jouent vraiment méta toutes les compos méta, les compos Fnatic, ils vont les sortir Bilibili, mais il y a pas le degré, il n'y a pas le degré de de, de travail, de team play derrière pour pour moi en faire une équipe vraiment dangereuse. Zeta, j'aime pas trop Zeta, je trouve que ça joue pas très très bien ensemble, très individuel. Ils ont l'air d'avoir retrouvé un peu de de couleur, notamment en jouant beaucoup le Chamber euh, de leur côté. Donc vas-y, on va croire aux Japonais pour un petit tour, mais ils vont se faire exploser au second. Et donc ça fait euh, Fnatic énergé pour la poule C, qui est facile. La poule C facile à pronostiquer. En vrai ça va, à part le match là des Noobs, franchement facile. Et là on arrive. Je veux pas, je veux pas parler de cette poule. Je veux pas parler de cette poule. C'est simple, dans ces quatre équipes, il y en a trois que j'adore. Il y en a trois que je voudrais voir dans le... en demi-finale, euh, playoff. Voilà, il y en a trois que j'aimerais voir même gagner l'event, J'adorerais. Je suis très très fan de Team Liquid grâce à Nats. Je suis ultra fan de Derrick C'est mon équipe favorite depuis le début du jeu et j'aime beaucoup Loud. J'aime vraiment, j'aime vraiment vraiment beaucoup Loud. Donc moi je suis, un, voilà, je suis un ultra fan des RX. Le jour où ils gagneront un truc, je serai là. Je pense pas que ça sera les Champions. Ceci dit, je pense pas que ce sera les Champions qui vont gagner. Mais le jour où ils vont gagner... Je, je serai là, je serai présent. Donc, je les voit faire un tout droit. Euh, Navi a été très décevant dernièrement. Euh, il passe le Lastian Qualifier, mais vraiment euh, nul, plat. C'est la, la pire des moins bonnes équipes. Vous voyez ce que je veux dire Genre, il y a des équipes un peu de noobs. Eux, c'est pas pas des noobs. Eux, c'est pas des noobs. Eux, ils peuvent même très bien jouer. Ils peuvent sortir des games absolument monstrueuses. Mais là, dans cette poule D, ils vont faire office de noobs vu leur, euh, leur euh, comment dire leur, leur parcours récent. Et ça me fait chier de dire ça, hein, mais Navi, Navi peut battre absolument n'importe qui dans, dans ce tournoi. Mais il reste trop irrégulier pour que, à mon avis ça marche. Voilà. Euh, dans le lower, du coup, Navi Loud. Donc, Navi, je les vois dernier de la poule. Pour moi, ça sera les noobs de, du groupe. On verra. Parce que Loud, euh, on rappelle que Loud était directement en playoff euh, au Masters Tokyo et ils ont perdu leurs deux premiers tours. On les, on les a perdus direct. Donc, moi, j'espère que ça va faire un gros électrochoc et que Loud va se réveiller pour la suite. Et là, on a Liquid Loud. Liquid Loud, je vais mettre Liquid. Mais sans conviction, sans conviction. J'aimerais bien que Liquid passe. J'aimerais bien que Nat et compagnie aillent en playoff. Et je vais juste me focus là-dessus. Mais je veux trop que Loud aille en playoff aussi. Et j'aimerais trop qu'ils montrent que c'était juste un accident à Tokyo. Et que maintenant ça va beaucoup mieux. Mais vas-y, c'est impronosticable. Donc voilà mes pronos. Si vous pensez que vous pouvez faire mieux que moi, n'hésitez pas du coup à aller sur ce site. Et donc, allez dans les groupes. Et dans le groupe, vous pouvez faire join a team. Et vous mettez ce code là que vous retrouvez en description. Euh, si vous voulez du coup faire partie de, du ladder. Donc là, on peut voir que dans mon groupe, on est. 156 voilà entre le début et la fin de la vidéo donc euh, n'hésitez pas à venir participer et je fais gagner du coup si euh, virement Paypal voilà euh, du prix du pack champions 2023 au gagnant à hein, celui qui terminera premier et vous comprenez que en fait la difficulté dans ce truc de Pixem c'est qu'il faut tout pronostiquer là maintenant c'est pas jour par jour on pronostique match-up par match-up non non c'est là maintenant il faut tout voir et attention parce que du coup il faudra refaire un pronostic euh, lorsqu'on aura les playoffs donc une fois qu'on aura toutes ces équipes qualifiées et qu'on aura les playoffs et l'arbre là il faudra refaire une série de pronostics et j'en ferai peut-être une mini vidéo. Vidéo, euh, vraiment rapide et expédié si ça vous intéresse et donc voilà voilà mes pronostics pour les incroyables Valorant Champions 2023 qui arrivent bientôt et j'ai trop hâte que ça commence je vais commenter 12 jours de ce tournoi notamment normalement donc vous allez beaucoup me voir aux commentaires officiels et je ferai pas mal de live du coup depuis les studios aussi pour débriefer l'après-midi c'est à Los Angeles donc ça va être des horaires le soir à partir de 21h 21h premier match et il va y avoir des, des journées avec 3 BO3 donc ça va faire de 21h à 6h du matin en gros il va y avoir du Valorant Regarder, donc euh, si ça vous chauffe, si vous voulez suivre le plus gros tournoi de l'année sur Valorant, et bien on se retrouvera à ce moment-là.